À vous qui me rejoignez, je vous dis bien le bonjour. Aujourd'hui, on va s'attaquer sur un très léger unboxing pour du matériel que je viens de commander pour moi. J'avais envie de le faire. Donc, il s'agit d'un boîtier. Un boîtier de PC, Air Max. On y reviendra après. Qui va aller avec ceci. Un petit water cooling, toujours de la marque Air Max, qui servira à refroidir donc mon Ryzen 5 2600 là actuellement et le prochain qui va arriver. Voilà. Donc ça, hop, c'est pour plus tard. Voilà. Donc, water cooling Air Max, AquaFusion. AquaFusion 240. Pourquoi 240 et pas 360? Parce que je veux le mettre sur l'aération du haut de ce boîtier et c'est 240 maximum. Pour des raisons pratiques. Et 240, de toute façon, me paraît suffisante. Donc, on va chercher le petit couteau et on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Alors, ça s'ouvre. Alors, déjà, c'est marqué. Donc, on a la pompe, on a les tuyaux, c'est un kit all-in-one. Il y a une petite télécommande pour contrôler le RGB, mais, et ça, c'est un bon point, le RGB est adressable. C'est pour ça que j'ai pris ces deux choses-là. Déjà, d'une, le RGB est adressable, et de deux, ces ventilateurs qu'on voit ici, c'est les mêmes que dans le boîtier. Donc, comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je fais quelque chose de propre. Alors, pour le RGB, pour le water cooling, pardon. Ça se présente comme ça. C'est un peu couillon, hein, parce que, s'il te plaît, petit chat, hein, tu dis ça. C'est un peu couillon parce que là je l'ouvre et en fait j'ai l'impression que c'est à l'envers. Pour ce qui est de l'emballage, j'ai connu mieux. Hein. On a déballé le Corsair de mon pote. Quand on lui a monté, c'était autrement plus quali. L'emballage, on s'en fout un peu. Alors, le contenu. Ça c'est la boîte avec le gel dessiquant, on s'en fout. On a bien les deux ventilateurs. 220 mm RGB, Air Max. Très sympa d'ailleurs. Je suis déjà équipé en Air Max sur mon boîtier actuel. J'avais envie de changer, prendre quelque chose d'un peu plus sapin de Noël. On a un radiateur, donc pareil, de 24 cm. Vous avez là tous les branchements pour pouvoir relier. Donc ça, c'est pour relier tout ce qui est RGB. T'as pas fini, oui? Oh! Laisse ça. Il est chiant. Avec la petite télécommande, d'accord. Ça, c'est des fixations. Il y a de la pâte thermique fournie, même si je ne vais pas utiliser ça. Pas du tout, même. Je vais certainement utiliser de l'Arctic M4. On a toutes les vis. Alors, je suppose que ce support permet l'installation. Ah, il y a également deux pattes ici à visser. Ah, à visser là sur la pompe. D'accord. Ça permet le suivre. Ça permet donc de le fixer sur du Intel ou du AMD. Concernant la pompe, on a une belle surface. On a une surface quand même qui est très grande. Quand est plus petit. Bon, ça affiche une Air Max normalement, c'est en couleur. Là, c'est somme toute assez basique. Hein. Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est juste un unboxing hein, pour voir. Vous avez toutes les vis, vous avez des câbles de rechange, des rallonges. Enfin, ça a l'air vraiment très bien. Qu'est-ce que c'est comme câble ça? 4 pins, d'accord. Donc à voir comment ça va se monter. Hein, je vais déjà regarder. Il n'y a pas de manuel, a priori. Ah si, bien. Et évidemment, le manuel pour le monter. Même si un kit all-in-one, c'est pas spécialement très compliqué. Donc, pour ça, on a fini. Pour l'unboxing, ça a l'air très propre. Ça a l'air très beau. Voilà. Vous voyez. Ça a l'air très sympathique. Ça sera monté plus tard. Il est un peu tard ce soir. On verra bien si je monte ou pas tout à l'heure. Là, pour le moment. Voilà. C'est un kit all-in-one, il n'y a pas de liquide à mettre, ni rien. Tout est inclus, le circuit est censé être fermé. On y reviendra plus tard. La seconde grosse nouveauté qui va aller avec ceci, et tu es obligé d'aller dessus, bien évidemment, toi. Ah,
les animaux. C'est ça. Donc c'est lourd. Hein. C'est le Air Max Styfor. Un beau boîtier. Franchement, un beau boîtier. En tout cas, sur les photos, je le découvre en même temps que vous. Ça m'a l'air fort sympathique. C'est vraiment de l'unboxing, l'unboxing. On va le descendre. On va regarder ce qu'on peut faire. Voilà. Très compliqué à ouvrir. Donc déjà, bien protégé. Bien protégé, bien plus que le Air Max Scalen, mais c'est pas le même prix. On est quand même passé du simple au double. On est quand même passé du simple au double. Un Scalen, vous pouvez le choper à 35€. Le Scalen est très bien, on refroidit très bien, on protège de la poussière, il est vraiment très bien. Le Styfor, je voulais juste pour le côté RGB. RGB, sapin de Noël, j'en veux. Hop ! Alors, le boîtier, il se présente comme ça. Donc là, nous avons le dessus. On va le découvrir ensemble. Alors, verre trempé. Verre trempé, pas du plastique. Hein. Corsair à 60 balles, c'est du plastique. Là, c'est du verre trempé. On a un grand filtre anti-poussière magnétique. Et ça, pour moi qui ai un chat, c'est génial. Arrière, somme toute, suffisamment de place. Hein, bon, c'est la lime et tout ça. La lime qui sera cachée. Ça, c'est une bonne chose. Ainsi que les emplacements HDD et SSD qui se trouvent derrière et là. Pour le devant. Petite imperfection. Il y a peut-être un film dessus. C'est quand même une belle bête. Sans déconner, c'est quand même une belle bête. Tout ça, ça va s'allumer. L'arrière aussi, il est fourni avec 4 ventilateurs. Et alors, le gros point fort de ce boîtier, justement, c'est que tout est adressable. Tout est adressable directement avec vos logiciels, Gigabyte, Asus, ASRock, de vos cartes mères. Donc, moi qui suis chez Gigabyte, c'est parfait. Et tout fonctionne ensemble. Mais là où c'est bien, et ça, c'est un truc que j'aime bien, par exemple, aussi avec... avec Air Max, c'est déjà qu'ils mettent non pas des vis, là, mais des petits ergots. Alors ça, par contre, j'aime moins. C'est pas censé se barrer comme ça. Voilà. À l'arrière, ça, cette petite puce ici, cette petite carte, ce petit circuit imprimé, va nous permettre de relier absolument tous les RGB ensemble. D'après ce que j'ai cru comprendre. Alors avec nous, bien sûr, on a la notice de montage, on a les petits scratchs, ainsi que des petits pads. Je ne sais pas pourquoi sont les petits pads. Les emplacements pour disque dur sont là. Donc là, c'est pour retirer des 2 pouces, des 3 pouces et demi. Pour ce qui est des 2 pouces et demi, je vois qu'on peut en mettre ici. Ou alors ce serait à l'intérieur. Exact. Donc on peut en mettre 2 à l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre 2 SSD. Hop. Ça, c'est power plus LED, power 1, le switch. Et on peut en mettre un également ici. Donc, vraiment faire quelque chose d'ultra propre. Ah, on a un filtre anti-poussière, comme sur le Scalen, en dessous. Et ça, c'est génial. C'est juste génial. C'est un super boîtier. Franchement, je suis content. Je suis très content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il va falloir faire un peu de cable management quand même, hein. Mais du coup, ça, c'est un boîtier qui permet beaucoup plus de possibilités. Il est un peu cher. Il était à 72€. C'est pas non plus spécialement donné. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très propre avec ça. Et de super quali pour un prix quand même relativement... Encore une fois, j'aime ça qui est relatif. D'accord, en fait, ça ne vient pas tout seul. Ok, il faut le maintenir. Pour un prix relativement correct. Donc, je sais, je vais voir. Peut-être je vais le monter ce soir, mettre ma carte mère dedans, essayer de tout adresser, mais à mon avis, je vais prendre le temps déjà de bien lire un petit peu tout ça. Et puis, je reviendrai vers vous avec une seconde vidéo. Voilà. Où on fera le montage. On fera carrément le montage ensemble. Et puis,
on verra ce que ça donne. On verra tout de suite si je me suis gouré ou pas. Mais ça a l'air pas mal. Alors, il y a des caches sur les ports USB. On est deux ports USB 3.0 sur dessus. Ça, je n'avais pas vu. C'est pas mal. Il y a des caches pour les... Voilà. Ça, ça ne sert pas, donc ça, c'est pas grave. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que ça donne allumé. Voilà, donc pour le unboxing, c'est tout. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici certainement quelques jours, le temps que je fasse une vidéo complète avec le montage, avec, parce qu'on va faire tout d'un coup. Et je vais faire le montage de l'aquafusion, ainsi que ça. Ça va me prendre un peu de temps. Surtout qu'en plus, je ne suis pas fibré chez moi. Donc, pour balancer une vidéo, ça me prend vraiment, vraiment du temps. Je vais essayer de faire un petit montage, quelque chose. Et puis, je vous donne rendez-vous, du coup, d'ici quelques jours, pour voir un petit peu ce que donne la bête. En tout cas, déjà, c'est beau, c'est ma stock. Sans déconner, je suis content. Là, j'en ai pour mon argent, clairement. Clairement. Je vous souhaite donc à tous une excellente soirée et puis je vous dis à bientôt.